On y va pour la correction du fichier partagé où on cherche le nombre de paquets. On est vraiment sur des problèmes où on cherche le nombre de paquets, le nombre d'équipes, etc. Donc on va avoir différents décors qui vont nous permettre de travailler ce type de problème. On y va pour le premier exercice. Le maître fabrique des carnets. Il a 28 feuilles. Il utilise 4 feuilles pour chaque carnet. Je rappelle qu'ici, on a la même unité. Là, c'est mon total. Donc, il a 28 feuilles et il utilise 4 feuilles pour chaque carnet. Donc, chaque carnet, chaque paquet, en fait, contiendra 4 feuilles. Donc, j'ai 28 qui est partagé en 4 feuilles pour trouver le nombre de carnets. Combien de carnets va-t-il pouvoir fabriquer? Eh bien, 28 divisé par 4 égale 7. Si tu connais tes dates de division, ça va tout seul. 4 fois 7, 28. Donc, il va pouvoir fabriquer 7 carnets. On y va pour l'exercice 2. Mais on passe si je vais trop vite. Ce serait cool de pouvoir faire ça en classe, hein, mettre en pause. Hop. Alors, le documentaliste a 24 livres. Donc, je sais qu'au total, il a 24 livres. Il les distribue à un groupe d'élèves. Chaque élève reçoit 3 livres. Donc, chaque élève a un paquet de 3 livres. Combien d'élèves y a-t-il dans ce groupe? Ça va me dire le nombre d'élèves. 24 divisé par 3, eh bien, c'est 3 fois 8. 24 divisé par 3 égale 8. Donc ici, c'est 8. Donc ici, chaque élève va recevoir... pardon, il y aura 8 élèves. Donc, ils reçoivent 3 livres, et donc il y a 8 élèves. On continue. Louise a 120 euros. Donc son total, c'est 120 euros. Ici, ça va donc être des euros. Elle va acheter des paquets de gâteaux à 6 euros. Hop, chaque paquet contient 6 euros en quelque sorte. Hein. Chaque paquet vaut 6 euros. Combien de paquets peut-elle acheter? Eh bien, je fais 120 divisé par 6. Alors là, hein, on retrouve nos calculs avec les multiples de 10. Comme quoi, ils sont partout, ceux-là. 12 divisé par 6, ça fait 2. Et je remets le 0, donc ça fait 20. Donc elle va pouvoir, elle peut acheter 20 paquets. On continue. La maman de Paul a acheté 36 bonbons. Hop. Elle veut faire des paquets de 4 bonbons. Combien de paquets va-t-elle pouvoir faire? Eh bien, si tu devais le faire en vrai, tu mettrais 4 bonbons dans chaque paquet. Hein. Souviens-toi, le geste, hop, je me remets bien face à la caméra, j'ai le geste, j'ai 36 et je vais en prendre 4, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, parce que 4 fois 9, 36. Je vais donc pouvoir faire 9 paquets, parce que 36 divisé par 4, égale 9. Et on continue avec le dernier. Souviens-toi, hein, c'est ce qu'on avait fait en vrai avec tout le monde, où ils étaient alignés, on avait distribué. Ça permet de savoir le nombre de personnes. 28 oiseaux sont placés dans des cages par groupe de 4. Donc 28 oiseaux par groupe de 4. Combien de cages faut-il? 28 divisé par 4 égale 7. Donc il va me falloir 7 cages. Voilà pour la correction des exercices partagés où on cherche le nombre de paquets. Tu vois bien que les paquets peuvent prendre des formes différentes selon le décor du problème.